ενδιαφέρουσα ελπίζουμε εκδήλωση με προσκεκλημένο ομιλητή το συγγραφέα Ερικ Βιουγιάρ. Δεν θα πω πολλά λόγια για τον Ερικ Βιουγιάρ. Μπορεί πολύ εύκολα κανείς να μάθει πολλά για εκείνον ακόμα και, αν δεν τον γνωρίζει και να κερδίσουμε και χρόνο. Θα πω μόνο ότι είναι ένας από τους σημαντικότερους Γάλλους συγγραφείς του καιρού μας. Βραβευμένος με το βραβείο Goncourt το 2017 για την μοιραία διάταξη και κυρίως ένας συγγραφέας ο οποίος με το προσωπικό του στυλ γραφής και με τον τρόπο επίσης με τον οποίο χειρίζεται θέματα ιστορίας αλλά και άλλα για τα οποία θα μιλήσουμε σε λίγο αφήνει ένα αποτύπωμα πολύ ισχυρό και ανοίγει, θέλω να πιστεύω, νέους δρόμους στη λογοτεχνία. Κύριε Βιουγιάρ, θα ήθελα, αγαπητέ Ερικ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, να ξεκινήσουμε λίγο, να μιλήσουμε για τα βιβλία. Σας έχετε βγάλει αρκετά βιβλία, στην Ελλάδα είναι μεταφρασμένα 4. Θα ήθελα να τα πάρουμε λίγο ένα προς ένα και να τα σχολιάσουμε. Να ξεκινήσουμε με την ημερήσια διάταξη, Lord du jour, όπου συμβαίνουν πολλά και σημαντικά πράγματα. Περιγράφεται τη συνάντηση, για παράδειγμα, μερικών από τους πιο μεγάλους κεφαλαιούχους, τους βαρόνους του χρήματος της Γερμανίας, με τον Χίτλερ και τα κορυφαία στελέχη του, ήδη το 1933, και για την ενίσχυση που του παρήχαν. Περιγράφεται επίσης, πάλι λόγου χάρη, τα τεράστια προβλήματα που είχε η γερμανική πολεμική μηχανή και αντίθετα με όσα γνωρίζαμε, με όσα έτσι έχουν αποτυπωθεί στη μνήμη μας, να το πω έτσι, στις πρώτες της επιθέσεις, ειδικά στην είσοδό της στην Αυστρία, είχε τεράστια προβλήματα και δεν πρόκειτο καθόλου για την εικόνα την οποία έχουμε μιας πολύ στιβαρής πολεμικής μηχανής. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν θέλετε να σπάσετε κάποια στερεότυπα και αν τα γεγονότα αυτά θεωρείτε ότι δεν ήταν αρκούντος γνωστά. Bonsoir à tous. Merci au Festival de la Canée, au Festival littéraire. Merci à Manolis Vidis et à toute l'équipe qui l'organise de m'avoir invité. Et puis, je voulais remercier aussi en particulier Michaela Charmoutari qui m'a chaperonné ces jours-ci. Et puis, les 4 libraires qui sont là donc avec les livres. Alors, sur l'ordre du jour, au fond, tout d'abord, je ne décrète pas, je ne décrète jamais par avance d'écrire sur tel ou tel thème comme si c'était un rapport abstrait aux choses et que je pouvais déterminer par avance que j'allais écrire tout à coup sur l'Allemagne nazie ou etc. Non, les choses viennent comme tout savoir se constitue au fond par un certain nombre de lectures, de films que je peux voir et qui tout à coup viennent faire trembler l'idée que je pouvais me faire de quelque chose, d'une époque, d'un événement. Alors, en l'occurrence, pour l'ordre du jour, plusieurs choses en fait sont venues troubler comme ça l'idée que je me faisais de la guerre et notamment, précisément, une chose concernant l'Anschluss, c'est qu'on m'a offert, il y a quelques années, les mémoires de Churchill. Et en réalité, je les avais déjà lues des années auparavant, quand j'étais jeune. Et on dit toujours, il est même de bon ton de dire qu'on ne lit jamais deux fois le même livre, comme si la littérature avait des ressources inespérées, etc. Or, cette fois-ci, ce n'était pas seulement, disons, une expression coquette et sophistiquée, mais il se trouve que précisément, il y avait 30 ans d'écart, et que donc je n'ai pas du tout lu le même livre. Pour des raisons très simples, c'est que la première fois, les mémoires de Churchill ont été, quand j'avais une vingtaine d'années, on peut dire la source principale qui m'a permis de constituer mon savoir sur la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'à l'époque, mes connaissances étaient encore scolaires,
Et au fond, je me suis donc, j'ai été polarisé, mon attention a été attirée par les événements principaux, vous voyez, le Blitz, pas l'opération Barbarossa, etc. Et donc essayer de comprendre, comme un jeune étudiant, au fond, quel avait été le rythme de la guerre, les séquences principales. Lorsque j'ai relu, donc lorsqu'on m'a offert ces mémoires 30 ans plus tard de nouveau, au début, je les ai feuilletées, c'était une nouvelle édition. Et puis en recommençant à les lire, j'ai tout de suite senti l'intérêt. D'abord, c'est un livre passionnant, mais l'intérêt que ça avait, c'est que précisément, je ne lisais pas du tout le même livre. Mon attention était plus polarisée par les événements principaux, puisque je les connaissais déjà, et sans doute mieux au fond. C'est-à-dire, j'avais lu tout un tas d'autres livres les concernant, et je n'avais pas besoin des informations que nous apporte Churchill sur le Blitz, etc. Mais au contraire, mon attention était polarisée par des détails qui m'avaient totalement échappé à la première lecture. C'est-à-dire des choses qui m'avaient paru insignifiantes, que je n'avais tout simplement pas vues, qui avaient été noyées, en quelque sorte, entre les massifs principaux des grands événements de la guerre. Et l'un d'entre eux, l'un de ces détails, c'est le fait qu'entrant donc en Autriche, l'armée allemande subit une très forte panne. En fait, il y a donc des embouteillages de Panzer. Et tout ça est dû au fait que, bien sûr, c'est en quelque sorte la rançon de la réussite de l'opération, la rançon de la gloire, puisque c'est une opération improvisée, c'est en partie la raison pour laquelle elle réussit, mais parce qu'elle est improvisée, cette armée, au fond, n'est pas prête à faire la guerre. Si bien qu'on se trouve, quand on regarde cet événement de cette façon, enfin, sous cette nouvelle lumière, face à un problème qui est que si précisément les armées occidentales, enfin les armées françaises par exemple avaient réagi, l'armée allemande était alors en fait incapable de lui faire pièce à ce moment-là de son histoire. Si bien que c'est un détail qui a son importance dans l'histoire, c'est que la complaisance au fond de l'Angleterre et de la France a coûté très cher. Alors, donc, après évidemment avoir trouvé dans les mémoires de Churchill cet événement, je me suis renseigné sur lui, sur les tanks allemands, sur leur capacité technique à l'époque. Et donc c'est à partir de ça que j'ai écrit ce petit bout de ce chapitre donc, qui concerne l'entrée ratée et réussie donc, des Allemands en Autriche. Alors le point qui était intéressant aussi en l'écrivant, puisque si j'écris sur un épisode, c'est parce que le fait d'écrire au fond me permet d'éclaircir des choses que la simple lecture ne permettrait pas d'éclaircir. C'est-à-dire que la lecture, il y a une forme d'intelligibilité propre à la lecture qui n'est pas la même que celle de l'écriture. On le sait tous, on en fait tous l'expérience. Pour en donner un exemple que tout le monde connaîtra, quand on est à l'école et qu'on a mal appris sa leçon, c'est-à-dire il y a quelque chose qu'on ignore, et qu'on est en train de faire une dissertation sur un thème mais on n'a pas assez travaillé, alors on se met à ce qu'on appelle broder. Et le professeur vous dit, bon, lorsqu'il rend les copies, monsieur a fait de la littérature. Bon, voilà. C'est une manière dénigrante, tout à coup, d'employer le mot littérature, la littérature signifiant à ce moment-là ce qui permet de combler l'absence de savoir. Or, en disant ça, le professeur dit quelque chose de tout à fait vrai sur ce qu'est la littérature au sens fort. C'est-à-dire, ça permet effectivement, et nous en faisons tous l'expérience, à ce moment-là, lorsque ne connaissant pas sur un sujet, nous essayons d'écrire. Au fond, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous n'avons plus qu'une seule possibilité, qu'une seule arme, qu'un seul outil, c'est la langue. Donc on essaie de trouver dans la langue des ressources inespérées pour combler l'absence de savoir. Or, à certains égards, la langue est non seulement capable de combler l'absence de savoir, mais il n'y a pas de savoir sans langue. C'est-à-dire que dans tout savoir constitué, la langue joue un rôle déterminant. Le fait de s'abandonner aux mots, de placer un mot devant l'autre, relève en partie de l'imprévu, de l'imprévisible. Et le fait d'écrire produit un savoir qui surprend en partie celui qui est en train de le produire et d'écrire. Et c'est ça, au fond, que le professeur et l'élève font comme expérience contrariée et curieuse lorsqu'un élève rend une copie en ayant brodé sur un sujet qu'il ignore. Au fond, écrire au sens fort, c'est toujours écrire sur ce qu'on ignore. Sans quoi, pourquoi le faire? Et si on écrit sur ce qu'on sait, autant rendre quelques notes seulement et se contenter de rédiger quelque chose. Mais écrire, c'est tenter de découvrir, à partir certes de documents, de connaissances existantes, quelque chose qu'on ne savait pas et qui dans l'écriture se révèle. Et au fond, en écrivant ce passage, évidemment, au tout départ, ce qui m'a attiré, ça n'est pas tout ce que je viens de vous dire, c'est que tombant sur ce passage et sur cette panne, j'ai pensé aussitôt à Chaplin. On imagine,
est tout à fait la scène, vous voyez, où les tanks allemands tombent en panne, la scène d'embouteillage et Hitler s'énervant. Et donc, il y a un registre comique évident. Et donc, je l'ai commencé à l'écrire au départ, à prendre quelques notes que sur ce registre comique, en me demandant, voilà, en essayant de voir où ça me mènerait. Et en réalité, en écrivant ce registre, là encore, le registre comique n'est pas ce que l'on croise trop souvent, c'est-à-dire simplement quelque chose qui viendrait en surcroît, en surplus, qui serait une façon de, comment dire, d'agrémenter la réalité, de nous faire rire. Non, le comique ou l'ironie produit un savoir. Pour en donner un exemple historique célèbre, l'ironie de Voltaire a détruit la religion en France. C'est-à-dire que l'ironie voltairienne a détruit pas seulement, d'ailleurs, n'a pas fait seulement trembler l'édifice religieux, mais toute idée de providence, voyez, toute idée de destin. La façon dont, se saisissant de l'événement dramatique du tremblement de terre à Lisbonne, voyez, Voltaire écrit d'une plume très ironique, il produit lui-même un savoir qui, en tant que lecteur, nous accule d'une façon qui est liée profondément à l'ironie elle-même. C'est-à-dire que dit d'une manière seulement raisonnée et sérieuse, ce type de savoir n'aurait pas pu être produit et n'aurait pas pu avoir la même efficacité. On peut d'ailleurs dire que Chaplin, dans son film, dans Le Dictateur, produit lui aussi un savoir à ce moment-là sur Hitler. D'une certaine façon, le savoir que nous en avons aujourd'hui dérive de ce que Chaplin nous en a donné, tout comme notre savoir sur les élites du XIXe siècle dérive des caricatures de Daumier, qui ne sont pas seulement des caricatures au sens où elles grossiraient le trait, voyez, où elles montreraient les avocats, les juges et les hommes politiques d'une façon grossière, pas du tout. C'est sans doute la façon la plus documentée, voyez, la plus précise qu'on ait eue de nous les montrer. Alors, en écrivant sur cette panne de tank, justement, il m'est en quelque sorte l'impuissance relative allemande m'est apparue au travers de l'ironie avec beaucoup plus de force, et surtout ce qui m'est apparu, c'est du coup la responsabilité très grande de la France et de l'Angleterre, qui, pour une part, dans le récit de Churchill, à la simple lecture, m'avait tout à fait échappé, puisque Churchill le raconte d'une façon beaucoup plus, évidemment, Churchill ne condamne pas du tout l'Angleterre et la France. Il nous raconte ça rapidement, il passe dessus, il y a un léger effet comique, mais enfin, vous voyez, il ne s'en empare pas réellement. Et puis, pour citer un autre passage, un effet comique, et l'écriture m'a permis de saisir quelque chose, donc il y a un moment où je raconte comment un ministre anglais, une personnalité politique de premier plan, Lord Halifax, va rendre visite à Adolf Hitler. Et donc, je tire ce que j'en raconte des mémoires d'Halifax lui-même. Donc, Halifax a écrit un livre sur la guerre, un livre de mémoire, qui s'appelle « Plénitude des jours ». Alors, « Plénitude des jours », déjà, en soi, le titre est un indice, si vous voulez. Il y a un effet comique involontaire de la part d'Halifax. Imaginez tout de même qu'il s'agit d'un livre sur la Deuxième Guerre mondiale et qui ose s'appeler « Plénitude des jours ». C'est tout de même curieux. C'est ça qui a attiré mon attention. C'est-à-dire, comme quoi l'écriture, la connaissance peut être attirée par des détails, en apparence, vous voyez, insignifiants, le titre d'un livre un peu arrogant, un peu déplacé, un peu curieux. Et donc je suis tombé sur ce passage très, très étrange où Halifax, rendant visite à Hitler à Berchtesgaden, nous raconte que, à son arrivée, donc devant la demeure d'Hitler, il va pour descendre de voiture, et à ce moment-là, il sent une présence, il pense que c'est un laquais, un valet de pied qui est venu à sa rencontre ouvrir la porte, et donc il tend son manteau, et à ce moment-là, il entend une voix qui lui dit « c'est le Führer ». Et il dit « j'apercevais des chaussures de mauvaise qualité, un pantalon de mauvaise qualité, tout à coup cette voix fait que je relève la tête et j'aperçois Adolf Hitler ». Et en somme, cette fois-ci, il essaie lui de nous faire rire. Alors on sourit évidemment à la lecture seulement. En écrivant ce passage, je me suis rendu compte qu'on riait deux fois. On rit une première fois, si on veut, très légèrement avec Halifax, puisqu'on est au fond d'accord pour rire d'Adolf Hitler. Alors on trouve la scène cocasse, un peu ridicule. Mais en seconde analyse, en écrivant, ce qui apparaît, c'est le ridicule d'Halifax lui-même. C'est-à-dire qu'au fond, tout à coup, il est presque dérangeant de voir que la seule façon qu'il ait de rire d'Hitler se fasse sur des connotations sociales. C'est-à-dire que ce qu'Halifax trouve ridicule chez Hitler, ce sont ses paires de chaussures qui ne sont pas anglaises, vous voyez, pas élégantes,
son pantalon mal taillé. Voyez, c'est là-dessus qu'il cherche à nous faire rire, ce qui est donc troublant. Et puis le second point surtout, c'est que tentant de nous faire rire là-dessus, en réalité, Halifax nous montre qu'il est absolument aveugle, puisque ce qui est en train de se produire, c'est que c'est, d'une certaine façon, Hitler qui est en train de balader Halifax. C'est Halifax qui est en position de faiblesse et qui se croit, parce que ses chaussures sont mieux dessinées, en position de force. On a donc là un double effet comique qui nous dit quelque chose, je crois, de ce qu'on peut appeler un certain milieu social, et dont la littérature, elle, par les moyens qui sont les siens, peut s'approcher et qui n'a pas... Ce milieu social a joué, disons, un certain rôle dans le déroulement malheureux de, la, de l'avant-guerre. Δεν θα επιμείνω στο βιβλίο αυτό για να μπορέσουμε να κάνουμε μια γρήγορη περιδιάβαση σε όλο το έργο του Eric Villa, παρόλο που έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον η μερίσια διάταξη. Μόνο θα πω ότι θα κάνω έτσι την παρατήρηση ότι έχετε και εικόνες όπως τα σημαίακια με τα οποία περίμεναν να υποδεχτούν οι Αυστριακοί τους Γερμανούς, οι οποίοι όμως δεν έρχονταν γιατί αυτά τα τάγκς δεν δούλευαν. Αλλά ας περάσουμε σε ένα επόμενο βιβλίο σας. Στη 14η Ιουλίου, λοιπόν, είναι, εκεί πάμε σε ένα άλλο θέμα εντελώς, είναι η εξέγερση που οδήγησε στη Βαστίλη. Εκεί βλέπουμε ότι κάποιους μήνες πριν από τη 14η Ιουλίου είχαν υπάρξει μειώσεις μισθών σε κάποια σε βιοτεχνίες ταπετσαρίας τείχου. Και οι μισθοί ήταν ούτως ή άλλως μισθοί πολύ χαμηλοί και μειώθηκαν ακόμα περισσότερο, γι' αυτό στάθηκε μια πρώτη αιτία της εξέγερσης. Έχει κανείς την αίσθηση ότι καμιά φορά παραγνωρίζουμε στοιχεία θεωρώντας τα δευτερεύοντα, ενώ μπορεί να παίζουν ένα καταλυτικό ρόλο. Φυσικά δεν ήταν αυτή η μόνη αιτία που έγινε η εξέγερση, αλλά θα ήθελα να μας σχολιάσετε λίγο τη σημασία των μικρών τυχαίων γεγονότων. Alors juste pour revenir sur la question précédente, sur l'épisode de l'Anschluss, une dernière chose, dire aussi qu'évidemment, les images que nous avons tous de l'Anschluss, ce dont je me suis aperçu en écrivant ce passage et donc en cherchant tout un tas de documents, c'est que ces images avaient été toutes ou quasiment toutes produites par la propagande de Goebbels. Ce qui signifie que avant l'entrée en guerre des Russes et des Américains, les images que nous avons de la guerre sont dans leur immense majorité produites par l'Allemagne nazie. Et ça, c'est un point qui est capital au sens où on peut bien sûr essayer de se défaire de tout un tas de préjugés. On peut dire que depuis le siècle des Lumières, la philosophie et la pensée tentent de faire en sorte que nous nous défaisions progressivement d'un certain nombre de préjugés. Mais comment peut-on se défaire de quelque chose, comment dire, qui est si excessif qu'il est notre environnement visuel voilà, total, c'est-à-dire dans tous les documentaires que nous regardons sur la guerre, sans qu'on puisse nous en avertir d'ailleurs. Les images que nous voyons sont des images produites par la propagande de Goebbels. Si bien que ça forme un rapport au savoir tout à fait problématique, puisque que fait cette propagande? Eh bien, elle cherche à nous montrer une armée allemande motorisée, énergique et moderne, ce qui n'est pas tout à fait conforme, en tout cas, à ce qui s'est passé en 1938. Si bien que tout ça fausse en quelque sorte presque à tout jamais notre image de la guerre. C'est comme si, bien au-delà de ce qu'on peut appeler un préjugé, notre fond de l'œil avait été en partie, en fait, construit, élaboré par la propagande de Goebbels. Alors peut-être que pour une part, justement, la littérature, à travers le récit, à travers la façon dont elle construit une ambiance, peut tenter, enfin, non pas de faire pièce à une propagande, mais de soulever un petit peu, vous voyez, le voile de la propagande et de montrer autre chose. Alors, sur le 14 juillet, alors, et notamment donc sur tout d'abord la notion de détail, il y a une très belle phrase que j'ai notée tout à l'heure de Zola qui écrit: je fais le travail d'un commissaire de police qui va, sur un léger indice, découvrir les auteurs d'un crime mystérieux.
C'est comme ça que Zola, à certains égards, envisage son travail littéraire. Seulement Zola, on le sait, est le premier à avoir mené un véritable travail d'enquête. On le voit au fur et à mesure de ses livres, où les dossiers que Zola établit pour ses livres deviennent de plus en plus épais. Au début, comme tous les écrivains du 19e, il s'en remet simplement à son expérience personnelle, vous voyez, à ce qu'il a vu autour de lui. Et puis, de plus en plus, il juge nécessaire d'aller enquêter, d'aller sur place. Et pour Germinal, on sait qu'il ira plus d'une semaine visiter les mines d'Anzin, descendre dans les mines, discuter avec les ouvriers, discuter avec les porions, avec les syndicalistes, etc. Et donc, on assiste cette fois-ci à une littérature d'un autre ordre, au fond, qui est comme arrimée à un savoir d'enquête. Et il faut bien mesurer qu'au fond, ce savoir d'enquête intervient bien avant que l'anthropologie et la sociologie ne mènent elles-mêmes enquête. On est avant Durkheim, on est avant Mauss, qui eux-mêmes sont restés dans leur cabinet, et donc on est bien avant Malinowski et les grandes enquêtes de l'anthropologie sociale. D'ailleurs, Mallory, un anthropologue français spécialiste des Inuits, a écrit que, dans une préface au carnet d'Émile Zola, que Zola était en quelque sorte le premier anthropologue, et je crois que c'est tout à fait juste. Donc, sur cette phrase de Zola, on peut la mettre en relation avec une autre phrase que Zola met en cartouche, en entrée de Germinal, qui est « La lutte du capital et du travail, la question la plus importante du 19e siècle ». Au fond, ce que souhaite raconter Zola dans Germinal, c'est donc cette lutte entre des individus qui travaillent et possèdent peu, au fond, sont payés par les autres le moins possible, et puis la façon dont le capital se concentre et leur lutte. Seulement, ce qu'il y a toujours de curieux avec l'histoire, c'est qu'il y a des effets de réverbération. Et il se trouve que le passage que citait Manolis de 14 juillet correspond donc à un soulèvement, une grève, une émeute, qui a lieu à Paris en avril 1789 et qui est liée à un traité de libre-échange. Un traité de libre-échange avec l'Angleterre qui se met à fabriquer donc des tapisseries bien meilleur marché que les tapisseries françaises. Je pense que les traités de libre-échange, eh bien aujourd'hui en Grèce, ça vous dit quelque chose. Et donc, il se trouve donc, on peut dire que d'une certaine façon, la tourmente dans laquelle la Grèce s'est trouvée prise il y a quelques années se trouve encore, comme bien des pays d'ailleurs, et peut-être tous au fond, d'une certaine manière, eh bien appartient à un registre qui n'est pas étranger au registre qui fait que des milliers de personnes, à ce moment-là, liées à l'industrie de la tapisserie en France, se soulèvent en avril 1789. Et d'ailleurs, le soulèvement tient aussi au fait que l'un des patrons de l'une des manufactures qui en grève va avoir cette phrase un peu malheureuse, il dit « Ah, augmenter les ouvriers, mais bientôt mes ouvriers auront tellement d'argent qu'ils auront la montre dans le gousset ». Alors, cette expression de la montre dans le gousset, moi, m'a fait aussitôt penser à une phrase que j'avais lue quelques années auparavant, où un grand industriel français du nord de la France, tenant des aciéries, avait dit « Augmenter mes ouvriers, ce serait curieux, puisque ils ont déjà un portable, je les connais, ils en achèteront deux. » Voyez donc, quand on est au XVIIIe siècle, les ouvriers s'achètent une montre, et aujourd'hui s'achètent deux téléphones portables. Au fond, on voit bien que ces deux façons de réagir, au fond, spontanées, sont du même registre, appartiennent à un registre, je ne sais pas si c'est un registre éternel, mais en tout cas c'est un registre, on peut dire, au long cours. Alors tout ça pour dire que peut-être ce crime mystérieux que cherche à élucider Émile Zola à partir d'indices, eh bien c'est ce crime-là, au fond. C'est ce crime pour lequel ces ouvriers se soulèvent, donc en avril 1789. Alors l'intérêt de cette révolte, pourquoi je suis allé l'exhumer, la rechercher, d'abord parce qu'on a des documents dessus très intéressants, un document terrible, et, enfin on a même deux documents qui, mis côte à côte, permettent, je crois, de saisir par un effet de friction quelque chose de l'histoire. Ces deux documents sont d'un côté un document sur les morts, c'est-à-dire c'est un inventaire, sont des procès-verbaux faits par un commissaire sur les cadavres des émeutiers retrouvés, tués donc par les gardes françaises qui ont ouvert le feu et tué environ 500 personnes. Donc on a d'un côté cet inventaire et de l'autre on a un inventaire notarié, donc établi par une étude de notaire, qui était à l'époque d'ailleurs à peu près la même chose que ses commissaires, donc c'est à peu près dans les mêmes dossiers qu'on les trouve, et qui lui fait l'inventaire de tout ce qui a été détruit chez Réveillon par l'émeute. Et ce qu'il y a de vraiment frappant, c'est deux choses. C'est tout d'abord l'écriture.
Ça peut paraître un détail, mais il se trouve que l'écriture qui relève les petites cuillères, les nappes et les mouchoirs et les meubles qui ont été endommagés ou détruits pendant l'émeute est une écriture déliée, régulière, qui a pris son temps. C'est l'écriture de quelqu'un qu'on paie suffisamment pour qu'il ait le temps d'établir un inventaire scrupuleux et bien rédigé. Tandis que le procès-verbal portant sur les cadavres et sur les morts d'ouvriers, donc du quartier Saint-Antoine de Paris, du faubourg Saint-Antoine, est écrit à la va-vite par un clerc de notaire, c'est-à-dire par un subalterne. Et ça se voit dans l'écriture. D'abord, ça n'est pas la même, alors que c'est le même commissaire. Et ensuite, c'est une écriture bâclée, rapide. Et c'est un premier indice qui est tout à fait frappant. Et le second, c'est le contenu qui vient corroborer cette impression fâcheuse. C'est que si on trouve le moindre détail sur les petites cuillères en argent qui ont disparu, le nombre de mouchoirs qui ont été détruits, sur le nombre de morts, on n'a quasiment rien. On a quelques dizaines seulement de cadavres. Et l'inventaire qui est fait, et surtout, consiste en grande partie à les fouiller, pour voir si on trouve des objets volés sur eux, si vous voulez. Et il se trouve que, précisément, on ne trouve rien. Merci. Είναι πολλές ερωτήσεις. Θα πάρουμε λίγο χρόνο, αλλά όχι, δεν μπορούμε να πάρουμε πολύ, δυστυχώς, από τη συνέχεια. Ήθελα, παρόλα αυτά, να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι οι εξεγέρσεις όπως εκείνη της 14ης Ιουλίου γίνονται πάντα για λόγους οικονομικούς. Αν είναι απλώς το ψωμί που ξεσηκώνει τον καθημερινό άνθρωπο όταν δεν το έχει. Alors, d'un côté, si on voit ça du côté de la littérature, au fond, après la Révolution, enfin, je crois que ce qui coupe, l'événement qui coupe, d'une certaine façon, l'histoire moderne, l'histoire humaine, on peut dire, de façon très, très capitale, c'est la Révolution française qui va se reproduire ailleurs de différentes manières et se diffuser. Alors, cet événement-là a une importance capitale qu'on sent évidemment dans le monde politique, c'est-à-dire la plupart des monarchies européennes vont s'effondrer progressivement et même relativement rapidement. Elles vont parfois être restaurées comme en France, mais s'effondrer à nouveau. Donc c'est un événement dont les répercussions, un petit peu comme quand on lance une pierre dans l'eau, vous voyez, se fait progressivement et continue à partir du centre à rejaillir. Mais il a des effets, cet événement a des effets littéraires évidents. C'est-à-dire que avant la Révolution française, la littérature, les auteurs sont en quelque sorte coincés. Alors au XVIIIe siècle, on a eu évidemment quelques prémices, quelques émancipations des écrivains. Mais à part Jean-Jacques Rousseau, qui a dû fuir à peu près toute son existence et qui a été même chassé de sa ville natale, au fond, on le voit, le statut des écrivains est un statut de prébendé, c'est-à-dire qui dépend des puissants. Ils dépendent des puissants en tant qu'ils sont nourris par eux, c'est-à-dire Diderot avec Catherine, enfin, et tout un tas d'aristocrates, ce qui vient limiter évidemment leur liberté de parole, puisque nous savons tous que nous n'allons pas mordre, en tout cas pas trop fort, la main qui nous nourrit. Et donc on peut dire que la littérature, pendant toute une très longue période de son histoire, peut être appelée peut-être autrement que la littérature, elle peut être appelée les lettres. C'est-à-dire le monde des lettres, pour en donner un exemple très frappant, quand Racine, le grand dramaturge français du XVIIe, donc écrit ses pièces de théâtre, tout à coup Louis XIV lui demande d'arrêter d'écrire. Puisque, vous savez, à ce moment-là, il y a une coterie de bigots, de croyants autour de Louis XIV qui veulent donc interdire un certain rapport, en tout cas, à l'art. Et donc, à ce moment-là, que se passe-t-il? Racine arrête instantanément d'écrire. Donc vous voyez bien que là, la liberté de Racine est totalement contrariée. Et à ce moment-là, Louis XIV lui demande de devenir son historiographe, c'est-à-dire d'écrire son histoire. C'est ce qu'il fait. Et quand Madame de Maintenon, devenue la femme de Louis XIV, lui demande d'écrire pour un petit groupe de jeunes filles pieuses une nouvelle pièce de théâtre, il écrit Athalie. Donc il écrit sur commande royale, vous voyez, la main sur la couture du pantalon, comme on dit en France. Et donc, là on voit l'exemple même, enfin le plus accompli, d'un très grand auteur, mais qui écrit totalement sous le contrôle du pouvoir.
Et donc, jusqu'à la Révolution, Rousseau... Alors, on trouvera des exceptions, évidemment, il y a toujours des îlots de liberté. On peut dire que, par exemple, en France, la poésie de Villon, une certaine poésie du Moyen-Âge, urbaine, que fait cette littérature? Elle se met à parler de quelque chose dont on ne parlait, pour ainsi dire, pas dans la littérature, à savoir, elle se met à parler du monde économique. La présence de l'économie devient très prégnante. Prenons Balzac, pour exemple. Le grand massif balzacien, la comédie humaine, c'est l'apparition dans la littérature des difficultés économiques, c'est-à-dire du combat que se livrent la bourgeoisie et l'aristocratie pour le pouvoir, et c'est un pouvoir qui est profondément lié à l'argent. Et on peut même dire que ce couvre Balzac au XIXe siècle va en France être clos par Zola dans un livre, justement, qui porte le titre même du crime qu'il recherche. Ce titre, c'est « L'argent ». C'est-à-dire que là, Balzac, Zola va tenter de raconter... dans l'accomplissement de sa fresque, les Rougon-Macquart, le rôle déterminant, au fond, pour nous tous de l'argent. Et nous le savons si bien que, qui que nous soyons, et quel que soit notre milieu social ou notre travail, tout d'abord, nous dépendons soit de notre salaire, de nos émoluments, il faut bien en avoir pour vivre. Nos habits, tout ce que nous portons sur nous, sont produits par des industries, des entreprises, qui ne sont pas des institutions philanthropiques. Le monde entier, au fond, y compris l'eau que je bois, est tissé par des rapports économiques. Si bien que, d'une certaine façon, une littérature qui ne parlerait pas du monde économique, ou en tout cas, sans parler directement du monde économique, une littérature qui, disons, parlerait d'un monde où l'économie ne jouerait aucun rôle, serait une littérature, vous voyez, une bleuette. C'est-à-dire une littérature faite pour détourner notre attention de l'essentiel, de ce qui est tout de même la préoccupation essentielle de la vie de chacun, une préoccupation très importante, que vont devenir nos enfants, comment vivre, etc., comment payer son loyer. Vous voyez, un monde où les personnages principaux n'ont pas de loyer à payer, n'ont pas de travail. Une littérature qui raconte un monde comme ça, on peut dire, est une littérature folklorique. Et donc, pour revenir à ta question sur les révoltes, la littérature du 19e, qui justement n'était pas une littérature folklorique, celle qui va, disons, de Balzac en France à Zola, traverse tout un tas de péripéties qui sont des péripéties révolutionnaires. C'est une littérature qu'on pourrait dire en partie adossée dans un rapport de dialogue constant avec les révolutions qui vont structurer et bouleverser l'histoire de la France, vous voyez, 30, 32, 48. Pour en donner un exemple très célèbre, c'est l'exemple de Victor Hugo. Victor Hugo écrit tout d'abord, donc commence un livre qui s'intitule donc Les Misères au départ et qui va s'appeler Les Misérables. Il le commence alors qu'il est pair de France bien avant 48, c'est-à-dire bien avant l'instauration de la République en France, une République fragile puisque elle va céder à un coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Mais donc à ce moment-là, le pair de France qu'est Victor Hugo commence à écrire un livre, disons, sentimental, dans la lignée de tout un tas de feuilletons qui sont parus. Et puis, les péripéties politiques vont venir bouleverser et la vie et les convictions de Victor Hugo lui-même. La révolution de 48 le trouble, mais le coup d'État de Louis-Napoléon lui fait franchir le pas, et Victor Hugo, à ce moment-là, monte sur les barricades, puis part en exil. Et c'est des années plus tard qu'à Guernesey, dans son île, il va reprendre Les Misères, qu'il va appeler Les Misérables. Comme si il lui avait fallu être traversé et traverser lui-même tous ces événements pour pouvoir écrire un autre livre qui serait sans doute le grand livre du XIXe siècle, celui vers lequel confluerait justement les problèmes essentiels et qui sont notamment le problème de la révolte populaire. Puisqu'on peut dire que si Les Misérables, qui est aujourd'hui, je pense, un des livres et peut-être le livre le plus traduit au monde et qui est, je crois, si célèbre qu'aux États-Unis on a même une abréviation, on dit The Mis. Donc, comme si tout le monde le connaissait, comme si tout le monde était familier. Livre d'ailleurs qui est si célèbre que, au fond, même ceux qui ne l'ont pas lu en connaissent les personnages, Jean Valjean, Cosette, Fantine. Livre qui d'ailleurs est venu à la réputation vaguement républicaine, qui suscite tout à coup ce mouvement populaire. Je crois tout simplement que les peuples s'accoutument mal à l'égalité et s'accoutument mal d'être assujettis. Δεν έχουμε χρόνο να νομίζω να μιλήσουμε για τα τέσσερα βιβλία. Ας πούμε όμως δύο λόγια για το Κογκό, γιατί αυτό είναι από μόνο του, αν δεν ήταν τόσο τραγικό, θα ήταν ένα ανέκδοτο πραγματικά. Το Κογκό δημιουργήθηκε, έχει γράψει ο Ρικ Βιγιάρ ένα βιβλίο που λέγεται Κογκό. Το Κογκό ιδρύθηκε το 1884
στο συνέδριο του Βερολίνου και όπως λέει και στο βιβλίο του, δεν ήταν κράτος, ήταν μια εμπορική επιχείρηση. Μια προσωπική ιδιοκτησία του βασιλιά Λεοπόλδου του Β' του Βελγίου. Πείτε μας δύο λόγια γι' αυτό. Oui, alors j'évoquais le fait que les livres viennent toujours de quelque chose qui survient par hasard, en quelque sorte une lecture, une photographie, un film. Non pas que je me sois dit un jour je vais écrire sur le Congo, je lisais depuis des années des choses sur le Congo parce que, comme vous tous, j'ai des centres d'intérêt et que ça m'intéressait. Et puis un jour, je suis tombé sur... Alors, il y a plusieurs choses. Il y a le livre de Conrad, Au cœur des ténèbres, enfin plusieurs livres de Conrad, et puis il y a quelque chose sur lequel je suis tombé, c'est une photographie tragique où on aperçoit donc deux enfants mutilés, donc qui ont les mains coupées. Et cette photographie, donc sur cette photographie, ces deux enfants mutilés nous regardent, en fait, ils regardent évidemment l'objectif. Et ce qui m'a frappé en regardant cette photographie, c'est qu'au fond, je me suis dit que cette tristesse, la tristesse que je lisais dans le regard, c'est une tristesse que je ne connaissais pas. Et que c'était même une tristesse que je ne connaîtrais pas. C'est-à-dire que c'est une tristesse qui, d'une certaine façon, est toujours d'un côté, je parlais de barricade, d'un seul côté du monde, d'un seul côté de la barricade. Et c'est-à-dire que nous, d'une certaine manière, nous qui lisons, nous qui vivons dans un monde où, même si les difficultés économiques existent, eh bien, bon, c'est possible de partir en voyage, de prendre le train, nous ne pourrons jamais connaître ce type de tristesse, c'est-à-dire ce type de souffrance, que ne connaissent que ceux qui sont précisément la proie des puissances, les proies permanentes, au fond, des puissances. C'est ce qui était visible sur cette photographie. Une forme de désarroi qui n'appartient qu'à certains peuples, qu'à certaines couleurs de peau, qu'à certaines structures, qu'à certaines classes sociales. Donc c'est ça, je crois, qui en premier m'a frappé. Et ça m'a frappé, évidemment, par contraste avec autre chose, qui est l'accord commercial que je citais, donc ce qu'on appelle la conférence de Berlin, puisque ces mains, cette mutilation, en fait, est la conséquence, le résultat. Alors, tout d'abord, juste pour en dire un mot, c'est une règle qui avait été instaurée au Congo pour ne pas gaspiller les balles. C'est-à-dire que le colonisateur a institué une règle qui était que lorsque l'un des hommes de main belges allait réclamer du caoutchouc dans un village congolais, eh bien, s'il tirait une balle sur quelqu'un, il fallait qu'il ramène sa main coupée pour prouver qu'il avait utilisé sa balle à bon escient. C'était ça la règle. Et donc, les mains de ces enfants ont été coupées, sans doute parce que quelqu'un avait tiré des balles pour autre chose, et a jugé bon de couper leurs mains pour prouver qu'il avait utilisé ses balles à bon escient. Donc ça, c'est, disons, la règle sinistre appliquée au Congo. Mais ce cas de terrible, c'est de mettre en rapport cette règle et cette photographie avec... comment dire, sa cause réelle, puisque l'un des problèmes de la littérature et l'un des problèmes tout court pour nous tous, c'est que le monde est séparé. C'est-à-dire que d'un côté, nous avons ce qui se passe au Congo, et puis d'un autre côté, nous avons ce qui se passe à ce moment-là en Belgique. Et donc, ce qui se passe en Belgique est très loin du Congo. Alors comment raconter les deux? Comment les mettre en relation? C'est ce qu'on appelle en littérature la composition et au cinéma le montage. C'est-à-dire que la conférence de Berlin, c'est ce qui a partagé l'Afrique entre les puissances. C'est un partage où la plupart des puissances européennes sont là, mais les États-Unis sont là aussi, et donc on organise tout un partage entre l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, etc. Bon. Et puis des frontières qu'on connaît aujourd'hui, qui sont ces frontières à la règle, qui ont été en grande partie faites à ce moment-là, avec un expert, Stanley, vous avez tous entendu parler de l'explorateur Stanley, qui joue le rôle d'expert à ce moment-là sur le Congo, sauf que le Congo, tout ce qu'il en connaît, c'est qu'il l'a traversé une fois, ce qui nous en dit assez long sur ce qu'on appelle aujourd'hui les experts. Ce sont des gens qui ont traversé les choses une seule fois. Et donc, ce qui était pour moi, ce qui est venu en gros se frotter, c'est cette photo tragique et cette conférence qui est une conférence au fond politico-commerciale, où des gens vont discuter de la création d'un État au cœur de l'Afrique, qui est un État voué au libre-échange, justement. C'est toujours la même chose. Il s'agit d'un État où, cette fois-ci, les droits douaniers sont inexistants, et dont tout le monde pourra profiter allègrement, ce qui permet au roi des Belges
de se créer une sorte de propriété privée tout à fait inouïe qui représente des dizaines et des dizaines de fois le Congo, enfin, qui est une terre absolument démentielle. C'est donc ce qu'on appelle un fief au sens féodal, mais d'un nouveau genre, un fief, on peut dire, commercial. C'est donc le rapport entre ce cynisme très contemporain, très moderne, au fond, qui existe encore aujourd'hui, puisqu'on est en train de s'arroger l'espace. Vous voyez, c'est une société privée américaine qui est en train de s'en emparer, on n'est donc pas très loin de ce qui s'est produit au cœur de l'Afrique, et puis cette photographie tragique, et là qui concerne deux enfants qui pourraient d'un côté être les nôtres et qui d'un autre côté ne pourraient jamais l'être, justement. C'est ces choses, la confrontation de ces deux choses qui m'a troublé, dont le livre est né. Et puis, un dernier point qui est lié à l'histoire de la littérature elle-même, c'est qu'autour du Congo, il y a eu beaucoup d'écrivains, de grands écrivains, qui ont écrit de très beaux livres, des livres importants, notamment au moment où ce qu'on appelle l'État indépendant du Congo, c'est-à-dire l'État léopoldien existait, qui ont donc participé à la fin de la colonisation. Et parmi eux, l'un des écrivains les plus importants, c'est Joseph Conrad, qui a écrit un très beau livre, « Au cœur des ténèbres ». Mais ce livre a une histoire, et une histoire intéressante, c'est-à-dire que Conrad écrit tout d'abord un journal, puisqu'il va au Congo, il est capitaine de navire, il y va emmené par une sorte de rêve enfantin, pour lui c'est le cœur inconnu de l'Afrique, vous voyez, bon, il est emporté par des rêves d'aventurier, et nous avons son journal, et son journal m'avait beaucoup frappé, puisque dans son journal, il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est un journal où il raconte qu'il s'arrête dans telle ville, le bateau est amarré, il parle de village vide, mais rien. Rien sur les massacres, rien sur ce qu'il voit, rien. C'est un journal à première vue, disons, tout à fait décevant. Et puis ensuite, quelques années plus tard, Joseph Conrad a écrit un premier livre qui s'appelle « Un avant-poste du progrès », qui est un petit livre très ironique où il raconte justement la vie de quelques colonisateurs de troisième rang, disons belges, dans un petit poste au fin fond de la jungle. Et c'est un livre ironique, méchant, mais où là encore, l'horreur, d'une certaine façon, de la colonisation est comme absente, invisible. Il n'y a pas de mort, pour ainsi dire, vous voyez. Il y a juste le ridicule, la chaleur, vous voyez, deux imbéciles qui sont là et qui tentent de faire marcher leur petit commerce au fond de la jungle. Et puis nous avons le dernier livre, qui est « Le cœur des ténèbres », où là, au contraire, l'horreur apparaît sous toute sa forme, puisque même le livre termine par ça, lorsque Course, le personnage principal, le colonisateur au fond de la jungle, meurt, il crie « l'horreur, l'horreur, l'horreur », je crois, trois fois. Et il laisse un petit manuscrit qui se termine par « exterminer les tous ». Donc on voit là que le projet colonial, en quelque sorte, est dit avec une espèce de littéralité effarante dans son livre. Seulement, j'avais toujours été à la fois très admiratif et comme gêné par un certain aspect du livre de Conrad qui appartient, disons, à sa métaphysique en général, à la métaphysique de Conrad lui-même. Puisque Conrad a beau avoir joué un rôle tout à fait, on peut dire, émancipateur par l'écriture de son livre, donc un rôle tout à fait positif, puisque c'est non seulement un très grand livre littéraire, mais c'est un livre qui a joué un rôle historique, finalement, dans la dénonciation des horreurs du Congo. Malgré tout, Conrad est un conservateur. Et c'est un homme qui, en dernière analyse, à travers sa prose très, très savante, très belle, très, très incarnée, et le titre même de son livre, semble attribuer, en dernière instance, tout ce qui s'est produit d'horrible, disons, dans la vie coloniale, à une sorte d'instance abstraite qui serait le mal, le cœur des ténèbres, l'âme humaine, le cœur de la forêt, voyez, quelque chose qui rendrait fous les hommes et les entraînerait à toutes sortes de crimes. Or, je pense que ça n'est pas du tout ni l'âme humaine, ni le cœur de la forêt, ni le cœur des ténèbres qui ont entraîné à ces choses, mais la conférence de Berlin, c'est-à-dire que le mal, ça n'est pas dans le cœur de l'homme, c'est entre les petits fours et la coupe de champagne. Νομίζω δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς. Θα αφήσω το. Δεν έχουμε χρόνο δυστυχώς, αγαπητέ Ερικ. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέροντα όσα μας λέτε. Βλέπετε, βάλαμε και την εκδήλωση λίγο πριν, αμέσως πριν τα εγγένεια. Νομίζω πήραμε όμως μια πολύ καλή έτσι, ιδέα του τρόπου που γράφετε και αντιμετωπίζετε τη λογοτεχνία. Θα πω μόνο απλά ότι το τέταρτο βιβλίο και πιο πρόσφατα μεταφρασμένο στα ελληνικά είναι «Ο πόλεμος των φτωχών» και η ιστορία του Τόμας Μίντσελ, του θεολόγου που έγινε επαναστάτης.
αλλά θα έλεγα να μην επεκταθούμε, εκτός αν θέλετε πολύ επιγραμματικά να μας πείτε δύο φράσεις γι' αυτό και να κλείσουμε με αυτές. Oui, ce qui m'avait beaucoup intéressé avec Munzer, c'est son écriture au départ. C'est que lorsqu'on lit les écrits, donc c'est une révolte en Allemagne qui se situe pendant le protestantisme, en 1524-1525, qui a été extrêmement importante, qui a même touché la France, la Suisse, etc. Ce qui m'a touché, c'est l'écriture de Munzer. C'est-à-dire Munzer a une écriture tout à fait enflammée, c'est un véritable écrivain, si vous voulez. Et je me suis donc dit, au fond, comment la littérature se comporte contre la température politique monte. Puisqu'on a l'idée que la littérature, c'est la poésie, le théâtre et le roman. En somme, des activités pacifiques, qu'on lit chez soi, en buvant thé. Enfin, c'est Marcel Proust, si vous voulez, la littérature. Sauf que quand on lit Munzer, c'est de la littérature au même titre que Marcel Proust. Simplement, c'est de la littérature tout à fait autrement, dans d'autres circonstances. On peut imaginer que Marcel Proust, pris dans une autre histoire, dans une histoire beaucoup plus tumultueuse que celle des Guermantes, aurait écrit un autre livre, plus court et plus tonique, et tout à fait différent. Eh bien, je crois que la littérature se comporte différemment, d'une autre manière, et notamment dans une période politique, quand la température politique est très haute. Imaginez par exemple l'occupation nazie, on ne va pas écrire des romans, on écrit à ce moment-là des chansons, des tracts, vous voyez, toute la littérature et les écrivains, à ce moment-là, toute la littérature se concentre dans une activité d'un autre ordre, qui a en réalité la même destination, mais qui est peut-être sa destination première, au fond, c'est-à-dire nous dire quelque chose sur cette histoire de l'inégalité, sur la liberté aussi, et qui est une histoire qui n'est pas terminée. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Δουγιάρ. Νομίζω ότι ακούσαμε πολύ ενδιαφέροντα και σημαντικά πράγματα. Θα έχουμε την ευκαιρία να σας ξαναδούμε σε μία άλλου τύπου κουβέντα αύριο. Ως τότε, σας ευχαριστούμε πολύ και σας ευχαριστούμε πολύ και για τα βιβλία που γράφετε.